caramel. C'est bon, c'est bon. Du calme, j'écoute. Tu rentres, là? J'ai pas encore livré, monsieur. Attendez, j'ai dû pédaler pendant... Karim! Écoute-moi, là. Mais non! Mais je vous l'ai déjà dit, faut pas laisser les mobs... C'est à toi de vérifier s'il y a de l'essence avant de faire ta course. Mais il y en avait, monsieur. Sauf que la bande du 104, ils ont rajouté du sucre. Et c'est pas pour tester un nouveau carburant écolo, hein. La mobilette est niquée. Et moi, je suis KO. Pas plus. Après, c'est ta prime qui saute. T'as compris? Brouille-toi. Mais je vous dis que je peux pas. Allô? Putain, c'est pas... Il est malade, ce mec. Il veut me tuer. Sophie Menil. Mathieu, arrête! Arrête! Pour moi. Vas-y, entre. Ça fait plus d'une demi-heure que j'ai commandé, non? Non. Enfin, si. C'est-à-dire que... je suis tombé en panne. Mais la pizza est encore chaude. Ça va? Ouais, ça ira. Je disais ça comme ça. Arrivé à point. Ah, j'oubliais. Sophie Ménil, comme Ménil Montand, à Paris. Avec cette chaleur, sans ascenseur, c'est mortel. Je viens du sud, je crains pas le chaud. T'as pas soif? Si, un peu.
Tu veux bien me la couper? Putain. Je suis vraiment désolé. Tu confirmes l'inégalité foncière du monde, toi? Tu préfères un chèque? Je m'en occupe. Toi, tu retournes à ta pétrolette et tu dégages. On garde tout et tire-toi. Vas-y, prends. La pizza est offerte. Pour le retard. Pour le pourboire, alors. Je vois pas. Ma religion l'interdit. Alors, ciao. T'as vu ton œuvre? Ça saigne pas, mais j'ai mal. Bah, tu pourras t'excuser. Ça va, c'est juste une égratignure. Et le bleu, c'est le seul qui m'est tombé dessus? Je veux plus te voir! Toi, tu dégages! C'est toi qui dégages tout de suite! Hey, ne touche pas, lâche-moi! Elle vous supporte plus. Toi, tu t'occupes pas de ça, tu dégages. T'es qu'une brute! Aïe! Hé, hey, lâche-la! Ah, aïe, je te préviens, je suis pas un bleu. Je suis ceinture jaune. Alors si tu la lâches pas, ça casse. C'est ta faute. Lâche-moi. Lâche-moi. Attends, je vais m'énerver. Chez la cliente. Eh monsieur, vous pouvez pas me faire ça. Il y a eu un imprévu. Un imprévu? C'est quoi ce bordel? Bonjour madame, s'il vous plaît. Tu te ramèneras bidon ou t'es viré? Viré? Mais pourquoi monsieur? Allô? Mais non, c'est pas ça. Y a mon casque, plein de Mozart, là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Mozart? Tu te crois à l'opéra? Mozart est là. Donc, essaie au moins. Ça te fait rire. Karim. T'es viré. Définitif. Tu ramènes tout de suite ta mobilette. Oublie-le, ce naze. N'y pense plus. J'aimerais bien. Mais j'ai rien d'autre, moi. Rien. Mais tu trouveras autre chose, ce Bilba. Autre chose, quoi? J'ai pas le faciès du profil, moi.
Même avec un bac pro, je suis pris nulle part. Et tu te fais du mal si tu prends les choses comme ça. T'en as rien à foutre de ces esclavagistes. Mais réagis, putain, c'est ta vie à toi que tu mets en danger, là. Tu préfères finir comme de la purée de tomates compressée entre deux caisses? Tu t'en sortiras, tu verras. Bon, écoute, moi, je tiens plus là. J'ai faim. Mais je te vire pas. Je t'invite. Enfin, je vous invite. Hein? Mais c'est moi qui choisis le resto. OK? Un peu les plombs, c'est con. Hein. Thank you.